Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment télécharger et installer le logiciel de création Seeway qui va vous permettre de réaliser votre livre photo. Pour cela, ouvrez votre navigateur Internet. Une fois que votre navigateur est ouvert, vous pouvez rechercher livre photo Seeway, donc Cewe, et je fais entrer au clavier. Le résultat de recherche apparaît. Donc, vous avez bien le site internet www.cewe.fr. Je vais cliquer sur ce lien. Et le site internet est ouvert. Vous avez en haut à droite logiciel. Il vous suffit de cliquer dessus. Puis, cliquez sur Télécharger le logiciel. Et le téléchargement se lance. Le logiciel est maintenant téléchargé. Je vais pouvoir cliquer dessus. J'autorise cette application à apporter des modifications à mon appareil. Et vous avez la fenêtre d'installation du programme. Je ferme mon navigateur Internet parce que je n'en ai plus besoin le temps de l'installation du logiciel. Et je peux dire suivant pour que l'installation débute. Première étape, on va vous demander d'accepter le contrat de licence. Donc j'accepte. Le dossier d'installation, c'est l'endroit où vont être mis les fichiers nécessaires au fonctionnement de ce logiciel. Suivant. Et il commence l'installation. L'installation peut être longue parce qu'il a besoin de télécharger des contenus sur Internet. Il vous suffit juste de patienter le temps qu'il ait terminé tous ses téléchargements et toute l'installation. L'installation de mon logiciel est enfin terminée. Si vous regardez l'heure qui se trouve dans ma barre des tâches, vous remarquez qu'il a mis quasiment 45 minutes à s'installer. Donc, vous inquiétez pas si chez vous, vous vous rendez compte que l'installation est très longue, c'est normal. Donc, une fois que l'installation est terminée, vous avez cette fenêtre. Vous pouvez créer le raccourci du logiciel sur le bureau, la galerie photo sur le bureau également. Et si je coche lancer le logiciel de création Seeway, dès que je vais cliquer sur fermer, le logiciel va s'ouvrir. Le logiciel se lance, donc l'ouverture de logiciel peut être un peu longue parce qu'il a besoin de charger plusieurs éléments afin que ce logiciel fonctionne correctement. À l'ouverture du logiciel, vous avez une petite musique. Donc ce logiciel vous permet de réaliser tous les services qui vous sont proposés par Seeway. Donc nous, on va pour aujourd'hui se contenter du livre photo. Je vous montrerai le tirage photo dans une prochaine vidéo. Donc, au niveau des livres, moi, je souhaite faire un livre en format A4 et en format portrait. Donc, je clique dessus. Vous allez pouvoir choisir le type de reliure et le type de papier. Donc, moi, je vais prendre un papier digital avec reliure classique. Donc, je vais choisir le satiné. Et vous allez pouvoir ensuite choisir le type de couverture. Donc, plus vous allez avoir une couverture de qualité, plus le prix du livre va augmenter. Donc, moi, je vais prendre la couverture rigide. Et vous avez ensuite possibilité de sélectionner le type de création. Est-ce que vous souhaitez réaliser une création avec l'assistant ou bien partir d'un livre complètement vierge. Donc moi, je vais choisir de démarrer la création à faire soi-même pour pouvoir coller avec la vidéo du cours en visio du 19 juin. Donc, il vous suffit de faire démarrage de la création et vous allez pouvoir choisir
le type d'apparence de votre livre. Vous avez des modèles de création qui vous sont proposés, soit des pages complètement vides, ou si vous descendez, vous avez des pages sur des thématiques, par exemple patchwork, vers le sud, etc. Vous avez là des pages qui ont déjà des emplacements de photos réalisés. Moi, je vais choisir des pages complètement vides. Je clique donc sur page vide, utiliser la sélection, et j'arrive sur mon livre de la même manière que nous l'avions lors du cours de visio. Donc, si vous n'avez pas participé à ce cours par visioconférence du 19 juin, je vous conseille à la suite de cette vidéo de le consulter pour avoir toutes les manipulations pour pouvoir mettre en place votre livre. Je vous souhaite à tous une excellente journée, prenez bien soin de vous et à bientôt.